rester dans le même style de musique. Mais par contre, lui, il est chez lui ce soir. Ce jeune artiste de 24 ans, originaire de Gap, a grandi en grande partie à Savournon. Et puis, il a déménagé régulièrement dans d'autres départements. Et aujourd'hui, il est revenu aux sources avec sa famille en s'installant au Bersac. C'est un petit village qui est juste à côté. Le Bersac en place. Ah, ils sont chauds ce soir, hein. Je crois qu'ils appellent ça Bersac City. Alors, c'est avec l'inspiration des rappeurs comme Kerry James, Medine et Kenny Arcana, depuis l'âge de 19 ans, qu'il a pris sa plume pour faire connaître ses propres textes. Aujourd'hui, ses inspirations sont multiples, avec du rap sous toutes ses formes, allant de Nekfeu et ses compères, de l'entourage, à des artistes moins connus tels que Brave, CT, Primero, Silla et tant d'autres. Et ce soir, c'est un titre qu'il a composé et écrit avec son ami Don, qu'il vous présente. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir sur scène Timothy. Bonsoir à tous, petite rectification, je l'ai écrit tout seul, mais mon ami Don est à la production de l'instrumental. Voilà, c'est lui qui l'a composé. Un gros big up à lui. Parfait. C'est la première fois que je prends un micro. T'es sérieux? Ouais. Non, c'est pas vrai. Ah non. Non, c'est un peu vrai, c'est à moitié vrai. Bah on verra. Hein. On verra ce que j'en fais. On peut y aller. On peut y aller. Ok. La culture appelle la liberté, un bouquin de plus dans la collecte, à l'usure on perd nos libertés, raison de plus d'être en colère. Dans pas si longtemps nos vies ressembleront à celles des londoniens dans V pour Vendetta. Vas-y mon grand, écoute, ressens le son rap de Mandalorian. En vrai telle est la voix, le jour où je pète qui m'imitera, hein, et qui limitera la rage qui dort en nous. À quand le prochain Vigipirate qui nous mettra tous un peu plus à genoux? Ils veulent pas qu'on avance mais nous on veut que ça bouge. Viens on les dérange, on peut plus, je suis à bout. Viens on bouge de là. Ouais, j'en peux plus, je suis à bout. Des présidents si médisants, j'en observe depuis mes 10 ans. Normal qu'on devienne hésitant à l'idée d'aller voter. Et au final, on fait comme papa et maman, on parie sur le plus coté. Ouais, putain. Et pour ma part, je m'intéresserai aux dirigeants qui sera du parti des vivants, qui fassent leur devoir et je ferai le mien. Mais pour l'instant, je suis réticent. Ça fait des années qu'on brandit un drapeau blanc. Ok, ça fait. Ce soir j'ai juste envie de rapper. Je veux voir des justes envisager que ma gloire est plus en vie que jamais. À croire que c'est dur de freestyler. Ce soir j'ai juste envie de rapper, ouais. Je veux voir des justes envisager que ma gloire est plus en vie que jamais. À croire que c'est dur de freestyler. Malgré les générations, grandir restera pas drôle. Être un adulte, c'est apprendre à se faire couper la parole. J'ai rencontré l'âme de ma vie, on s'est plus jamais quitté. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui pourrait tout écouter. Ensemble, on s'entraîne à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Et on marche mieux main dans la main, on verra où ça nous mène. L'amour en guise de seul guide, je confonds trop famille et guilde. J'ai pas vu grandir mon neveu et pas vu son père vieillir. Et pourtant, j'aimerais les connaître un peu mieux. J'aimerais les connaître un peu mieux qu'à travers le palantir. Voilà, famille, c'est important, faut la chérir. Prenez le temps pour vos proches. Le monde tourne trop vite. Aucune chance qu'on le rattrape. Mais bon, je peux peut-être amener une petite touche d'espoir. Non, c'est pas de la musique, ouais. C'est rien que du plaisir. Ça y est, la machine est lancée. Allez, machine à lancer des sourires. 23 juillet, je prends de bonnes résolutions pour la famille et les amis. On joint les deux bouts, on joint les deux bouts. Parfait comme connexion grâce à un câble HDMI. Jolie couleur sur le moniteur. Petit comité pour l'événement. Et même si le village n'est pas très grand, il y a de l'espace ici. Il y a de l'espace dans nos cœurs. Il y a de l'espace pour vous tous. Merci, je vais m'arrêter là. J'ai oublié le texte et du coup c'est mieux qu'on s'arrête là. Allez, Timothée qui s'est inscrit juste hier
hier, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que je peux venir au dernier moment? Ils sont deux comme ça, ouais, hein, c'est ça. À s'être inscrit au dernier moment. Alors, est-ce que ça valait le coup, Timothée? Bah ouais, ça valait le coup. De toute façon, ça vaut toujours le coup de monter sur scène et prendre la parole. Par contre, si tu me donnes trop la parole, je vais la monopoliser. Donc, pose pas trop de questions. Texte engagé qui, bien sûr, qui surfe sur ce qui se passe en ce moment, c'est ça? Ouais, voilà, moi, quand j'écris, c'est un peu pour, dans un premier temps, me libérer de certaines choses. Donc, ouais, je parle de ce qui m'entoure, de ce que je vois. Des fois avec, des fois sans filtre. C'est ce qui m'aide à guérir un peu, à aller bien dans ce monde de fou. Merci Timothée. Allez, on va aller descendre voir les membres du jury. Alors, Pascal, tu veux dire un mot? Allez, Pascal. Non, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est... Enfin, à mon sens, il dit beaucoup de choses... on va dire relativement engagé, et je comprends chacun à son point de vue, et traduit les choses qui se passent en ce moment, chacun à son avis. Ce que je lui donne comme conseil, je n'ai pas lui donné de conseil. Je pense qu'il fait son boulot comme il faut, c'est très bien. Je pense que l'important, c'est pas toujours d'écrire, mais c'est surtout d'être lu. Voilà. Merci. Merci, merci Pascal, Danel. Jean-Paul Césari. Non, mais on dit que nul n'est prophète dans son pays. Eh bien, lui, je trouve que c'est le contraire. Quoi. Je trouve qu'il est... T'habites ici, c'est ça, à Serres? Ouais, j'ai de la famille ici, mais j'habite pas ici, non. Ben, moi, franchement, j'apprécie beaucoup. Je suis pas un spécialiste de rap, mais je regardais un petit peu autour de moi, et notamment mon fils qui est dans l'assistance, et... Lui, par contre, c'est un fou de rap, il en écrit aussi, et je sais qu'il a apprécié beaucoup. Eh bien, moi, je vais faire comme lui, quoi. Franchement, je trouve ça très, très bien. Bravo, monsieur. Merci. Continuez. Merci. Et on a bien sûr notre spécialiste du rap, K-Max. Ok, Max. Yeah. Bon, Max. Ça va? Tout le monde, on se fait un petit freestyle, tous les deux. Ah ouais, ok. Ben, moi, en ce moment, je suis en train d'écrire un texte qui s'appelle « Exutoire ». Exutoire, c'est pour dire que le rap, c'est aussi un exutoire dans lequel, pour exprimer ce qu'on a dans le cœur, enfin, ce qui nous touche. Et je pense que toi aussi, t'es là-dedans. Hein. Je suis complètement là-dedans. C'est... Voilà. Et il a un texte engagé, mais positif. Il reste positif, le rap. Le hip-hop, c'est positif. Faut pas l'oublier. Et super, super rime, t'as dit, super rime. Et, j'ai beaucoup apprécié. C'est génial. Merci. Et Calice, elle a tellement adoré qu'elle est partie. Non, elle avait un truc à faire. Mais okay, elle est restée jusqu'au bout de la chanson, d'ailleurs. Allez, merci Timothée. Merci.